Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, on a déjà fait le Nespresso au déballage, mais un nouveau série de vidéos. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est que chaque fois que je reçois un produit, qu'on le déballe ensemble. Alors, il y a des produits où j'ai des idées, d'autres où j'ai pas d'idées. Alors, là, j'ai une idée parce que j'attends un produit quand même depuis un petit moment. En fait, j'attendais deux produits cette semaine. Y arriver. Attendez, deux produits cette semaine, dont une caméra avec deux écrans trop bien d'une marque complètement pas connue mais qu'elle a vraiment bien, bloqueur douane, et ça un autre produit que j'attendais pas par DHL mais que j'ai reçu quand même. Donc je sors comme toujours mon couteau des gros youtubeurs, parce que tous les youtubeurs ils ont des gros couteaux. Alors, vous avez vu, j'ai mis la caméra à l'endroit en miroir, alors que maintenant vous voyez à l'endroit et je l'ai mis en mode miroir, ça veut dire que même quand c'est écrit vous voyez... Voilà, vous voyez que c'est bien écrit. Alors, je vais essayer de pas défoncer le... Putain, la vache. C'est un petit peu Noël, hein. C'est un petit peu Noël. Putain, mais c'est quoi ces emballages? Putain, mais c'est parasismique anti-nucléaire. Alors, vu l'emballage, moi, j'aurais tendance à penser que c'est mon cul. Et en fait, non. Apparemment, non, parce qu'ils l'ont déclaré 20$. Alors, là, autant la caméra, elle s'est fait bloquer en douane. Regarde. Tu vois là, l'écrit, c'est bien mon cul. Alors, autant ils l'ont déclaré, mais 20$ je crois. Autant la caméra, elle valait 130$, ils l'ont déclaré 15, elle était bloquée en douane. Autant ça, ils l'ont laissé passer. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je veux dire, les douanes, hein. Alors, là, ça vaut, marque, ça vaut 400 balles. Quel emballage de merde. En fait, il n'y a même pas de boîte, regarde. C'est juste la boîte, c'est le carton qui fait boîte. Et après, tada, c'est chelou, incroyable, incroyable. J'ai jamais vu un emballage aussi cheap. C'est normalement t'as une jolie boîte et tout. Là, non, en fait, non. Comme ça passe les douanes. Allez, on va commencer par ça. Alors, il y a des moments où je parle pas. Ça me permettra de mettre les moments en accéléré. Comme ça, moi, je vois quand je parle pas. Je peux vous les mettre en accéléré. Ça évite que ce soit redondant en disant l'ouverture de la boîte. Alors là. L'adaptateur le pire au monde, c'est anglais, Hong Kong, ils ont des trucs, non, moi c'est bien comme ça, en Thaïlande c'est américain, comme quoi, pas plus américain qu'ailleurs, mais, et un chargeur à la con, donc ce qui laisse déjà présager que l'USB type C, je vais mettre dessus, parce que c'est cadeau, ça ira à la poubelle, surtout. Bon, tu la voulais la vidéo de mon cul? Bah la voilà. Pas de ma faute, hein. C'est marqué là. Alors c'est Q. Tu la voulais, la vidéo de mon cul? Bah là voilà. Je vous fais juste un petit déballage. Et puis après, vous me mettrez en commentaire. Alors là c'est floué. Pas besoin de me mettre en commentaire. Quelle couleur horrible. Il est or. Mais où est donc or, ni... Ouais, bof. Voilà. Donc si vous... Là, normalement, c'est le jeu, ça sera quand je fais les déballages comme ça. Soit on fait juste un petit déballage... Et puis ça suffit. t'as vu ou pas vu? Voilà. Soit je vous fais juste un petit déballage comme ça, et puis ça suffira. Et avec une petite présentation, soit vous voulez vraiment une review. Et dans ce cas, bah, je vous ferai une review complète sur GLG Review. Bon, là, le deal, c'est que la marque, tout de suite, elle m'a demandé une review. Elle m'a dit le truc qui vaut quand même 500 balles. Tu vas me taper une review, hein. Alors, il y a tous les claviers dedans. Clavier QWERTY. C'est quoi? Oh putain, la vache. Il y a un clavier... QWERTY, donc ça j'ai, mais un clavier QWERTZU, ça j'ai pas. Putain, QWERTZU sur mon cul aussi. Un clavier QWERTY, oui. Oh un dieu, mais c'est quoi tout ça? Ok, ça c'est un clavier AZERTY. Voilà, donc ça c'est bien, ça m'arrange bien. Et ça c'est encore un clavier QWERTY. C'est chelou, ça c'est pas les mêmes. Tu vois? Bon, ça c'est bien. Ah bah c'est bien, clavier AZERTY. Ça veut dire que quand il te livre avec un clavier QWERTY, t'enlèves les autocollants, tu mets dessus, t'as un clavier AZERTY. C'est une bonne nouvelle. J'ai pas peur qu'appeler un clavier un truc. Dis donc. Ah le pavé numérique, il est là. Bon, voilà le petit déballage de mon cul. Alors c'est un cul de 14 pouces, mon pote. Hein. Je peux te dire avec ça. Pas chez Apple, hein. C'est sûr que... Mais en même temps, il y a des fétichismes du... des fétichistes
Il y a des fétichistes de l'emballage. Bon, bon. Je fais un peu les connectiques vite fait pendant qu'on est là. USB type C, ça c'est bien. La charge, c'est pas mal. Une mini, c'est pas une HDMI, c'est une mini HDMI. D'accord. Qui est déjà toute. Non, tout bien. De l'autre côté, prise jack, micro SD, ça c'est bien. Spécialité des Chinois. MacBook à 2000 balles, SD, micro SD, c'est fini. Là c'est bien, ça permet de faire avoir un petit peu de stockage. Et une prise USB type 3. Bon, la finition, c'est pas dingo comme ça, hein. On est d'accord que t'as un truc à 400 balles en plastoc. Ça a l'air, ça, sur la mode d'emploi, ça avait l'air d'être du. Comment dire? Il a le mulot. Ça va, pour l'instant, ça va, ça passe. Voilà. Bon, voilà pour le déballage de mon cul. Je vous ferai des photos de mon cul et je les mettrai sur Instagram. Hein, ça fera des likes. Je vais le mettre en français. Alors, il est où le français? Il est là. Je sais pas si tu vas le voir. Tu peux pas l'ouvrir. Wouh, je peux pas l'ouvrir plus que ça. Alors là, il y a le micro, on va pas y arriver. Hein. Là, si je te fais comme ça, rien. Pas mal. C'est pas tactile, hein, c'est pas déconner. Je sais pas, il a drôle de réflexe, Tom, là. En français, oui. Voilà, très bien. Bon, ben voilà, donc ça sera pour le déballage. Si je l'attendais pas... Putain, c'est étonnant, parce que... Déclaration de douane, 15$, regarde. Lyon Mix. Je vais voir un peu, parce que... Ça, c'est des Chinois. Normalement, je leur dis pas DHL. Mais là, il est marqué Let's Selling. 16$. Putain, il s'est passé en douane, t'imagines un peu? Et la caméra, elle valait 130$, elle n'est pas passée en douane. Comme quoi, hein. Fais voir un peu, t'en es où là? Où vas-tu? Bon, voilà. Voilà pour le petit. Où vas-tu? Non, c'est la merde ça. Bon, je vais regarder un peu pour cette histoire de réglage là, parce qu'il m'a mis tout en thaïlandais. Je sais pas comment il a fait pour savoir. Ou en chinois. Non, c'est du thaïlandais. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Donc, pas besoin de me mettre des likes ou des shares, des commentaires pour me dire si vous voulez la review. Bien évidemment, il y aura une review sur GLG Review plus tard. Plus tard, parce que là, j'ai quand même pas mal de retard là, à rattraper et tout. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit-là. Le lien sera dans la description si jamais vous voulez voir déjà un petit peu ce qu'il y a. Je mettrai le lien. Je crois que c'est Gearbest qui me l'a envoyé via la marque Q, parce qu'ils l'ont demandé. Blablabla. Voilà. Enfin, vous en battez les couilles, mais bon, je vous explique quand même. C'est marque base. Le lien dans la description, cher commentaire, n'oublie pas de mordre à la part, amour, partage, abonnement. J'espère que vous aurez aimé ce petit déballage en mode surprise, tu savais pas ce que c'était. Et pourtant, c'était plutôt bien. Voilà, je vous remercie de passer me voir, forcément je vous kiffe. Bah, à bientôt, parce que GLG Vidéo, ça reprend sévère.